Je suis parti prendre une marche. Je me suis dit qu'une poutine pour emporter, ça serait pas pire. Je me perds en chemin, puis j'aboutis en Thaïlande. La poutine thaï à Bangkok. La Thaïlande, c'est intense, mais check bien ça pour la poutine, ça va être short and sweet, comme ma coupe de cheveux soudaine. J'ai juste à trouver le snack bar dans le quartier, qui ont de la poutine. Vous l'avez sûrement vu à télé ou quelque chose, c'est un resto de poutine, là. Depuis le temps, ils ont déménagé à Krabi, et vous pouvez les trouver avec The Yule Krabi Homestay, ou quelque chose dans le genre. La poutine thaï. C'est pas ma recette, là. Vous l'avez bien compris, je le répète, c'est pas ma recette. Des frites, de la sauce à poutine, du fromage en cube, du poulet, du chili, des feuilles de basilic. Goût 10 sur 10, c'était bon dans la gueule. C'est une poutine 9 sur 10. Le fromage était en cube, mais il était fondant, assez squick-squick, puis c'est le plus proche d'une poutine que vous allez avoir à des milliers de kilomètres. C'est une poutine. En bonus, la poutine super thai. Là, celle-là, c'est ma recette en principe. Puis bonus, c'est végé. Des frites, de la sauce à poutine avec curry vert, du chili, des arachides, du tofu frit en cube, du fromage en grains, de la ciboulette. Puis je suis retourné après pour manger de la poutine ordinaire, ça.